Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il me fait toujours grand plaisir de recevoir le maire de la ville d'Amos et également le nouveau président de la conférence des élus de l'Abitibi-Témiscamingue, soit le CREAT. Mesdames et messieurs, Monsieur Ulrich Chérubin. Monsieur Chérubin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, partir d'Amos pour venir ici en studio. C'est toujours un très grand plaisir de vous recevoir, Monsieur Chérubin. Moi, c'est toujours un plaisir aussi de venir à votre émission. Et c'est réciproque, mon cher monsieur. Monsieur Chérubin, moi, là, en tout premier lieu, là, je sais que je m'adresse à un homme extraordinaire et un Haïtien de souche. Si vous me permettez, moi, j'aimerais ça prendre quelques minutes avec vous pour parler de l'effroyable sinistre dans votre pays d'origine en janvier dernier. Et plus précisément, le Le 12 12 janvier, c'est une janvier, date qui va toujours rester dans votre mémoire. c'est une date mémorable parce que, comme vous le savez, il y a un séisme qui a détruit une partie de l'île d'Haïti, l'ouest, c'est-à-dire Port-au-Prince, et le sud-est. Et la région de Jacmel, d'où je suis né. Donc, alors, ce sont des ravages, c'est Moi, c'est vraiment épouvantable. Moi, épouvantable, c'est épouvantable. catastrophique. Ah oui. Ils disent qu'il y a eu 200 000 morts. C'est beaucoup de gens morts, décédés. Il y a aussi beaucoup de blessés et des gens qu'on a été obligés d'amputer Ah, parce c'était... qu'ils n'ont pas reçu à temps les soins nécessaires pour soigner leurs blessures. C'est des choses qui font mal au cœur. Oui, Monsieur Chérubin, comment on réagit le matin là, lorsque on se réveille puis qu'on apprend que son pays d'origine est presque complètement dévasté? Comment on réagit? Bouleversé, on se sent impuissant parce que on aimerait donc faire quelque chose, mais on ne peut pas. On aimerait communiquer avec C'est les ça, nôtres, la communication. mais le système téléphonique est déficient jusqu'à maintenant. Donc on essaie d'avoir des nouvelles, on appelle telle ou telle personne, puis as-tu eu des nouvelles, as-tu eu des nouvelles? C'est beaucoup d'inquiétude et même de Oui, frustration parce qu'on ne peut pas rien parce faire. qu'on ne peut pas C'est rien ça. faire. On est On à se sent. des milliers de kilomètres, puis on est impuissant. On On se sent. attend des nouvelles qui ne viennent pas C'est et ça. on ne peut pas aller au-devant des nouvelles parce que la communication est inexistante. Vous, Monsieur Chérubin, vous avez de la parenté Du en côté de Haïti. Jacmel. Du Oh, c'est côté ça, de OK. Jacmel. Votre père et votre mère. Mon père est OK. décédé il n'y a pas longtemps, et Mais l'année dernière pas dans le seulement, séisme, là. non pas dans le OK. séisme. Et ma mère était décédée, ça fait OK. longtemps. Mais frères et sœurs. Mes frères et sœurs, justement, j'ai une sœur qui a perdu sa maison. La maison s'est effondrée, mais Dieu merci, elle n'a rien eu, elle n'est pas blessée. Et puis un vrai miracle. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'elle était morte à l'intérieur qu'elle était à l'intérieur des décombres, morte, mais Dieu merci, elle n'était pas dans la maison à ce moment-là. Il y en est de même aussi pour un frère que j'ai, qui le même sort est arrivé. Il a perdu sa maison, mais Dieu merci, il n'est pas blessé, il n'est pas mort. Donc, je n'ai pas, dans ma parenté immédiate, Dieu merci, je n'ai pas de gens qui ont été morts, blessés par ce tremblement de terre, mais ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, Mais c'est leur du maison. matériel. C'est du matériel, c'est ce que j'ai dit à ma sœur et à mon C'est ça. frère. Monsieur Chérubin, quand on réussit à avoir un contact avec ces personnes-là, le premier contact que Ah, vous c'est le avez bonheur eu, total. Quand ma sœur a réussi à m'appeler, c'est elle qui a réussi à... ouais, parce OK. que eux autres, c'est plus facile pour eux autres
avec le téléphone cellulaire de nous rejoindre, mais nous autres, on peut pas les rejoindre. Mais quand elle m'a rejoint au milieu de la nuit, parce que... ça a pris combien de temps entre la date du séisme et des nouvelles que vous avez eues? Ça a pris 2 ou 3 jours, mais par personne interposée, je savais qu'elle était vivante, elle n'était pas morte, que sa maison était détruite, mais je ne lui avais pas parlé. C'est par personne interposée, à faute d'appeler celui-ci, celui-là, donc qui a fini par me dire « ta sœur est vivante, c'est vrai, sa maison est détruite, mais elle n'a pas été blessée, ton frère aussi, Plus d'un mois après ce séisme-là, vous êtes, je présume, encore en contact avec eux autres, votre frère et votre sœur. Mais c'est eux autres peuvent me rejoindre parce que, jusqu'à présent. Les communications là-bas... Les communications ne sont pas rétablies comme c'était. Bon, ma sœur a vécu sur un terrain public avec tout le monde, près de 700-800 personnes. Présentement, mon neveu qui est aux États-Unis lui a envoyé une tente. Elle a une tente et puis elle est sur un terrain que je possède à Jacmel. Donc alors, elle est sous la tente avec mon frère et puis avec la femme de mon frère. Donc, ils essaient quand même de survivre. Devrait-on dire survivre au lieu de vivre? Survivre, c'est ça. Exactement. Mmh. Au point de vue hébergement, on en a parlé, nourriture, transport, salubrité, etc. Bon, la salubrité et la promiscuité étaient là. Elle est toujours là, mais un peu moins, parce que là, maintenant, ils sont sur un terrain vague que je possède à Jacmel. Et puis, ils ont leur tente, donc ils peuvent mieux s'arranger avec les moyens du bord. À Jacmel, puis Port-au-Prince, c'est loin. Est-ce que c'est... C'est sûr que... Est-ce que le séisme a été autant d'envergure à Jacmel qu'il l'a été ailleurs? À peu près pareil. À peu près pareil. Donc, il était dans l'épicentre. Dans l'épicentre, exactement, parce que à vol d'oiseau, et c'est-à-dire en avion, Port-au-Prince est à 15 minutes de Jacmel, et c'est sur la même trajectoire, la même faille, si on peut employer un thème sismologique, la même faille. Mm-hmm. Donc alors, possiblement, c'est pour ça Jacmel est autant détruite que Port-au-Prince, parce que c'est sur la même ligne sismique, là, si je peux m'exprimer ainsi. En terminant, sur Haïti, Monsieur Chérubin, la reconstruction, ça va être très long. Ça va être très long parce que il y a beaucoup de maisons qui sont détruites et puis ça va prendre un temps avant de déblayer tout ça et puis reconstruire ça. Donc alors, il faut compter sur le facteur temps. C'est un désastre terrible. Et depuis ce fameux 12 janvier, il y en a eu d'autres. Ça a l'air. Est-ce que c'est continuel? Est-ce que vous aviez entendu parler par votre parenté, votre frère, votre sœur, que à tout bout de champ, il y en avait, mais de moindre importance, semblerait en avoir de moindre importance. Sauf que là, ça a bougé encore. Ça a l'air que ça continue à bouger parce que les sismologues disent quand il y a un grand tremblement de terre comme ça, il y en a plusieurs autres de moins importance qui survivent. Pendant qu'on en parle, c'est la même chose qui est arrivée au Chili ces derniers temps, excepté qu'au Chili, ils ont une tradition de tremblement de terre. En Haïti, il y en a déjà eu, mais le plus récent, je pense, a eu lieu en 1800.
61, si ma mémoire est bonne, ça fait à peu près 200 ans. Donc, alors, moi, j'ai grandi en Haïti, j'ai pas grandi dans une culture de tremblement de terre. C'est sûr que il y avait des petites choses comme ça, là, on dit, ah, c'est la terre qui tremble, on sent ça sous nos pieds, moi, j'ai jamais eu de connaissance de tremblements de terre de grandes envergures comme ça à l'échelle Richter. Ça a l'air qu'il y en a déjà eu, mais dans les années 1800, j'étais pas là, toi non plus. Donc. Non, j'étais pas, je regardais pas la télé à ce moment-là, monsieur Chérubin. Mais la reconstruction peut prendre une décennie à peu près, au moins. Moi, je mets une 15 à 20 ans. Ah oui, tant que ça. Ah oui, parce que c'est tout fini. Tout est effondré. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont parlé de rebâtir, mais de déplacer Port-au-Prince, de ne pas le laisser là. En tout cas, il y a toutes sortes d'hypothèses, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être un long et un grand chantier. Et voilà. Alors, on va clore sur ça, monsieur Chérubin, puis c'était un désastre, et heureusement pour vous, les proches parents qui étaient là n'ont eu que des désastres physiques. Je veux dire désastres. Non, c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'amis et oui, peut-être certaines connaissances, mais pas dans la parenté immédiate. C'est sûr que ça me fait mal aussi pour tous ces 200 000 personnes qui sont décédées. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une catastrophe. Oui. Donc, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et chez vous, bien, ce fut un désastre matériel. Heureusement que personne n'a été touché physiquement à ce moment-là. Alors, M. Chérubin, moi, j'aimerais vous féliciter pour votre poste de président du CREAT. Est-ce que c'est une fierté d'être reconnu par vos pairs? C'est certain, c'est sûr. Quand, par exemple, surtout à l'unanimité, les gens reconnaissent que tu es l'homme de la situation, l'homme qui peut faire un bon travail, c'est de la fierté, mais c'est aussi avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce poste, parce que c'est un poste d'une très grande importance, parce que la conférence régionale des élus, c'est l'instance privilégiée du gouvernement en matière de développement régional. Donc alors, c'est le président de la conférence régionale de toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une lourde responsabilité. Si on parlait des grands défis pour 2010, quels seraient les grands défis du CREAT? Bon, c'est sûr que nous avons un plan de développement stratégique, on appelle ça un plan quinquennal, mais il y a toutes sortes de sujets qui sont touchés par ça. Ce que je pourrais appeler les grands secteurs, nous avons l'agriculture, qui est un secteur très important en Abitibi. C'est un secteur névralgique. Névralgique en Abitibi, Abitibi-Ouest, Témiscamingue, plus précisément. Nous savons que depuis cet épisode de la vache folle, l'agriculture ne va pas très bien. Heureusement, et dernièrement, le gouvernement du Québec et du Canada ont investi 4 millions et puis la conférence a mis un demi-million, ça fait 4 500 000 pour aider nos agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont encore en business. Parce que nous savons que ça allait tellement mal qu'il y a plusieurs qui ont
crier faillite, qui ont laissé malheureusement. Et on a tellement besoin du secteur agricole chez nous. C'est ça. C'est essentiel. C'est ça qui nous fait vivre. Oui, quoi, c'est l'agriculture. Oui. Et nous avons aussi le secteur minier. Secteur minier, on parle d'écologie à ce moment-là, les fameuses mines à ciel ouvert. Oui, c'est une préoccupation, je le sais, c'est une préoccupation. C'est pour ça, le 19 et 20 mars, on organise un colloque. On invite tout le monde à venir dire ce qu'ils pensent de ça, parce que avant c'était des mines souterraines, maintenant c'est des mines à ciel ouvert. Et ça dérange certaines personnes au point de vue visuel, au point de vue environnemental, au point de vue écologique. Est-ce que les grandes entreprises, les grands financiers pensent plus aux signes de pièces que à au bien-être des citoyens à ce moment-là? Et je ne veux pas répondre à leur place, mais ça a changé. Parce que autrefois, l'industrie minière était reine et maître. Roi et maître, comme oui, on dit. Oui. Donc, eux autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais depuis quelque temps, il y a des règlements, il y a des lois qui viennent leur dire que, attention, vous ne pouvez pas faire ça comme avant. Donc alors, il y a des délinquants comme dans toute chose, mais il y a des industries, il y a des minières qui sont prêts à se conformer parce que aujourd'hui on sait qu'on parle du développement durable. Donc alors, il faut regarder le côté économique, mais le côté social et environnemental aussi. Et vous l'avez bien dit aussi, M. Chérubin, c'est que au début du 20e siècle, ou même si on se reporte avant, quand on parlait de mines, c'était souterré. C'est ça. Maintenant, on parle de mines à ciel ouvert. Alors, c'est sûr et certain que tout ce qui se dégage de ça, il y a peut-être des petits problèmes qui peuvent arriver dans une population, je ne sais pas, je ne veux pas embarquer là-dedans du tout, là. Sauf qu'une mine à ciel ouvert versus une mine souterraine, il y a sûrement une différence énorme. Ben, moi, je ne connais pas assez ça pour me prononcer là-dessus, mais je risquerais de dire c'est à peu près la même chose, mais excepté que souterrain, il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà aussi, oui. C'est « cache-moi ce sein que je ne saurais voir mm-hmm. ». Mais maintenant, à ciel ouvert, c'est un genre de pollution visuelle, c'est à la vue de tout le monde. Et il y en avait aussi dans le temps des mines souterraines. C'est ça. Sûr. Et c'est pour ça que je me suis dit, maintenant, on est capable, en tant que société, de s'élever contre les mauvaises pratiques de telle ou telle compagnie minière qui s'aviserait de dommager l'environnement. C'est ça, parce que même on pourrait en parler beaucoup, l'amiantose, etc. On pourrait embarquer là-dedans, mais je m'en Et l'autre grand secteur que tu connais, c'est le secteur forestier aussi. Exactement. Donc, alors, qui est malade actuellement. Qui est malade aussi. Qui commence tranquillement à se guérir. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui disent on commence à voir une petite lumière poindre au bout du tunnel à l'horizon. On espère, comme tout le monde, que ce secteur-là reprenne. C'est sûr que ce ne serait plus jamais comme avant, non, mais au moins... Il n'y aura sûrement pas autant de moulins qu'il y en avait avant. Ça, c'est sûr et certain. Possiblement, malheureusement. Malheureusement. Mmh. Puis, monsieur, justement, je recevais monsieur Jean Roy ici, qui est vice-président Nord de Nord-Bord, qui, justement, on parlait d'une reprise un peu frileuse en 2010, très frileuse. Mais bonne reprise en 2011, selon... Parce que les Américains aussi, ils ne sont pas très forts sur l'exportation et ils ne sont pas très forts présentement, et sur l'importation. Mm-hmm. Donc, alors, ils veulent consolider leur économie. Oui, donc, alors, ça va prendre du temps avant qu'ils commencent à importer nos 2x4. On va aller avec vous au titre de maire de la ville d'Amos. L'aéroport d'Amos. Oui, bon. Oui. Est-ce qu'on peut faire un lien, un parallèle entre l'aéroport d'Amos et
l'aéroport de Lasserre. Bon, c'est sûr que c'est la même vocation, les deux aéroports. C'est pour recevoir l'avion ambulance, pour venir chercher nos citoyennes et citoyens qui seraient en danger et qui ont besoin d'être transférés. Excepté que l'aéroport d'Amos est fonctionnel, mais la piste mérite, elle n'est pas condamnée, mais elle mérite un rafraîchissement. Possiblement, c'est un dossier qui va trouver son aboutissement très bientôt, j'espère, parce que les démarches que je fais auprès du député et auprès du ministre régional me laissent croire que le dossier évolue dans le bon sens, évolue très bien. J'aimerais ça avoir une réponse le plus tôt possible pour qu'on puisse commencer les travaux dès ce printemps. Est-ce que c'est une chose possible? Le dossier avance assez vite pour ça? Le dossier avance à partir du moment qu'on a la réponse du ministère. Donc, alors, on peut aller de l'avant. La prison d'Amos, il faut en parler, M. Chérubin. Ça aussi, je sais. Parce que vous m'avez toujours dit que vous êtes d'un optimisme modéré. Oui, mais là, ça va un peu mieux, ça va bien. Mais est-ce qu'on va la construire un jour, cette prison-là? Oui, d'ailleurs, normalement, il y a un chargé d'affaires, il y a même des dates. Le 31 2011, l'inauguration va être faite. 2013? Oui, oui. Okay. 31 décembre 2013. On va fêter le jour de l'an avec ça. C'est ça. Donc, alors, c'est supposé être terminé. Mais le dossier évolue assez bien. Toutes les étapes sont franchies. Il reste maintenant à demander à M. Dupuis de venir faire l'annonce officielle. Qu'est-ce qui tarde tant que ça à faire l'annonce officielle? Bon, est-ce parce que ce n'est pas encore coulé dans le béton, comme on dit? Ce qui tarde, c'est que, tu sais, au point de vue de zonage, de plan d'urbanisme, il fallait trouver le terrain. Ce fameux terrain-là, M. Chérubin? Le terrain, ça va être en s'en allant vers Lasserre, c'est à la sortie d'Amos, okay. La 111 Ouest, en face, après 2 plus 3, matériaux 3 oui, plus okay. 2. Quand alors, on s'en va vers Mécamique, c'est à droite. C'est ça, c'est à droite. Exactement, okay. Tout de suite à la sortie d'Amos. Après, à droite, comme vous dites. Mm-hmm. Donc, le terrain est trouvé. Il restait à faire le changement de zonage d'urbanisme. Tout ça est fait. Donc, il reste maintenant à la MRC et de donner un avis de conformité. Et ça, ça va être fait à la prochaine Assemblée des maires le 10 mars. Okay. Donc, après ça, une fois que ce sera fait, donc, on va être assuré que c'est là que la prison va être bâtie. Et déjà, je pense que M. Dupuis attend de venir l'annoncer. Parce qu'on parle de quelque chose comme 121 800 mètres carrés. On dit que c'est 8 fois la prison actuelle. Ah oui, c'est grand. Et puis... il faut pas oublier on aussi. Double le nombre de places à exactement ce il faut pas oublier aussi c'est une prison non seulement régionale mais c'est une prison qui va desservir le nord okay, oui. Le mm-hmm. grand nord devrais-je dire les Cris et même les Inuits donc alors il faut qu'il y ait de la place pour tous ces gens-là donc c'est un projet dont je suis très heureux très fier et j'ai hâte à la première pelletée de terre je pense que je vais vous inviter. Ça me fera grand plaisir, M. Chérubin, parce qu'on en parle depuis quand même certains bouts de temps. Je pense que c'est un dossier qu'on pourrait qualifier de longue haleine. Et oui, puis, c'est ça, exactement. Et même avant moi, je pense que ça doit faire au moins une trentaine d'années depuis qu'on parle de l'agrandissement oui, du centre de détention d'Amos, mais maintenant, ce n'est on parle pas... De... Oui, c'est ça, une on ne parle plus d'agrandissement de la prison existante. On ça parle va d'une être nouvelle d'une prison. Nouvelle construction. Un nouvel immeuble oui, qui va ça. Être le double de celui qui est actuellement. Exactement. Et très brièvement, qu'est-ce que le gouvernement entend faire avec le,
la prison actuelle, là, est-ce qu'il y a des plans? Ou bien, bon, sûrement. Je pense juste bon, de même. Ça, c'est le gouvernement, ouais, c'est à lui l'édifice. Okay. Je suis sûr que ça va être utilisé pour de nouvelles comparutions et puis pour des gens qui ont des peines de 2 ou 3 jours à purger. Ah, okay. De leur... Monsieur Chérubin, ici, j'ai un communiqué de presse qui date du 29 janvier dernier qui dit que Amos demande un effort à ses contribuables. C'est pour combler d'importants manques à gagner dans le secteur industriel et gouvernemental. Quels sont ces manques à gagner? Bon, quand on a fait le budget 2010... Vous savez, comme moi, on vient de le dire, que le secteur forestier ne va pas trop bien. Donc, il y avait un manque à gagner de 400 000 au niveau de Abitibi-Bowater et puis au niveau de Temlam. C'était 400 000. Et du côté du gouvernement, il y avait un 100 000 parce que vous savez que le gouvernement paie des enlieux de taxes. Donc alors, il y avait 100 000 de moins, ça fait près de 500 000. C'est un demi-million de moins. Un demi-million avant même de commencer à faire le budget. Heureusement que les maisons avaient pris de la valeur en moyenne 27% d'augmentation avec le nouveau rôle triennal. Mais malgré tout, on est obligé de demander à nos citoyens de faire un effort fiscal additionnel pour qu'on puisse continuer à donner des services de qualité comme on veut les donner. Et ils ont reçu leur compte de taxes et ça se voit. Donc alors, il y en a qui ont baissé par rapport à l'année dernière, mais il y en a qui ont augmenté aussi. Mais ce n'est pas un fardeau fiscal démesuré, parce que quelqu'un dont la maison a pris 27% de valeur va payer 157 dollars additionnel par rapport à son compte de taxes de l'an dernier. Ça veut dire une douzaine de dollars, par mois. Donc alors, je pense que comme collectivité, c'est un effort qu'on doit être prêt à faire pour aider sa ville. Il reste juste une minute, M. Chérubin. Le fossé se creuse entre l'Action boréale et la conférence des élus. On dit que le torchon brûle entre l'Action boréale et la conférence des élus. La première accuse l'autre d'être à la solde de l'industrie minière, tandis que les élus taxent plutôt le groupe écologiste de mauvaise foi. Bon, malgré tout le respect que j'ai pour les écologistes et puis les environnementalistes, je trouve que il y a un petit peu de manque de bonne foi là-dedans parce que ils savent très bien et on leur a toujours dit qu'on va organiser un débat pour que tous les groupes sociaux, environnementaux, miniers, simples citoyens puissent se prononcer et ça va se faire le 19 et 20 mars à Évin. Donc alors je demande à tout le monde de se dépêcher de s'inscrire parce que c'est premier arrivé, premier servi, il n'y a que 200 places. Exactement. Monsieur Chérubin, merci infiniment. Alors on vous souhaite une très bonne année comme maire de la ville d'Amos et également comme président du CREAT. Il y aura des dossiers qui seront excessivement importants et chauds, j'en suis persuadé. Donc, vous ne vous ennuierez pas en 2010, M. Chérubin. Non, je ne m'ennuie pas. J'ai du travail, mais j'aime ça, être au service des citoyens. C'est ce qui est important. Quand on fait ce qu'on aime, c'est bien. Voilà. Alors, M. Chérubin, merci beaucoup. Ce fut très gentil de votre part de participer à cette émission-là. Puis vous aurez toujours une place de choix à mon émission. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.